Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, elle, va envoyer des équipes d'experts dans les pays limitrophes de la Guinée et du Libéria, deux des pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, pour vérifier l'efficacité des mesures de contrôle de l'infection. Et puis, un nouveau cas suspect a été hospitalisé à Madrid, en Espagne. Il était à bord d'un avion arrivé du Nigeria. Alors Sophie Langlois, vous êtes à Conakry, en Guinée, où il y a fort à faire là, pour convaincre les Guinéens d'aller se faire soigner. Oui, la sensibilisation est toujours une des clés pour freiner cette épidémie. On a pu le constater ce matin avec une équipe de la Croix-Rouge qui était déployée dans un quartier de la capitale pour faire cette sensibilisation. Et on a pu voir à quel point la méconnaissance est encore immense. Il y a même des gens qui croient encore que l'Ebola n'existe pas, que c'est une invention de politiciens pour leur faire peur et peut-être retarder les présidentielles l'an prochain. Et surtout, ce qu'on voit, c'est de l'inquiétude par rapport aux symptômes de l'Ebola qui sont très fréquents ici. Vous savez, avoir la fièvre ou la diarrhée, c'est très fréquent, surtout dans la saison des pluies, comme on l'est en ce moment. La malaria, c'est des symptômes très semblables. Et comme au début de l'épidémie, le taux de mortalité était très élevé, les gens ont l'impression, ont peur d'appeler pour dire on a ces symptômes-là parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont aller mourir à l'hôpital. Donc, il est encore il y a encore un gros travail à faire pour convaincre les gens qui sont malades d'appeler à un numéro qui a été créé pour eux, donner leurs symptômes. Et si c'est jugé nécessaire, on viendra les chercher et on les amènera à l'hôpital. Puis vous avez aussi assisté à un enterrement. Oui, parce que ça aussi, c'est important de le dire, ça fait partie des moyens pour lutter contre la contagion. Au départ, on en a beaucoup entendu parler, les gens cachaient leurs morts pour être capables de les enterrer dignement. Il y a eu aussi beaucoup de travail de fait là pour convaincre les familles de faire enterrer les défunts par les équipes de la Croix-Rouge qui le font de façon sécuritaire. Et c'est ce qu'on a vu ce matin, effectivement. C'est une grosse concession, de gros compromis à faire pour ces gens qui sont très, très, très religieux, qui ont des rites à respecter. Mais maintenant, au lieu de les enterrer loin des familles, on leur permet d'être présents à une saine distance, mais d'être là. Et de plus en plus, on voit que les familles, même quand leurs malades, c'est pas certain qu'ils sont morts d'Ebola, vont appeler la Croix-Rouge pour faire enterrer les malades. Sophie Langlois, merci beaucoup de témoigner pour nous de ce qui se passe à Conakry, en Guinée. Merci. Au revoir. Je vous en prie.